Catherine Fournier, mairesse de Longueuil qui est avec nous madame Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'évoquer le cas de ces deux individus poursuivis cette semaine au palais de justice de Rimouski. Dans votre cause, maintenant on peut vous identifier mais à l'époque on ne pouvait pas vous identifier qui ont divulgué pour un cas votre nom pour l'autre des indices permettant facilement de vous identifier en plus des commentaires que je qualifierai pas pour une victime d'agression sexuelle. Qu'est-ce que ça représente ça D'abord, d'avoir euh, droit de protéger son identité, c'est fondamental pour euh, la majorité euh, des personnes victimes d'agressions sexuelles ou d'un autre acte criminel par ailleurs. C'est quelque chose qui est possible de demander, même souvent, ça va être pratiquement là, un, un automatisme, là, surtout dans les cas euh, de violences à caractère sexuel. Donc, moi, Personnellement, c'est vraiment même ce qui a été l'élément déclencheur qui m'a convaincu finalement d'aller porter plainte. Chaque personne victime peut avoir ses raisons, puis c'est des raisons qui nous appartiennent. Moi, j'avais mmh. les miennes, notamment sur mon parcours professionnel. J'avais des craintes que ça ait des répercussions. Je l'ai également exprimé, mais je voulais vraiment garder mes proches à, à l'écart de, de tout ça. Je voulais les, je voulais les protéger. Donc, en m'assurant que mon identité pouvait justement euh, être protégée, je me suis décidée, puis c'est vraiment le qui a fait en sorte que je me suis rendue dans un dans un poste de police pour euh, déposer une première une première plainte puis en parlant avec des gens du CAVAG donc le centre d'aide aux victimes d'agressions euh, d'actes criminels plutôt ouais. euh, on me dit en fait que c'était très très commun puis même les raisons qui, euh, qui justifiaient le fait que je voulais recourir à cette protection là étaient souvent très partagées Parmi les personnes victimes, donc évidemment de se voir notre droit bafoué, mais ça a Bien des vrai. conséquences qui sont qui sont graves. Puis je trouve vraiment qu'il s'agit d'un bon signal d'avoir déposé finalement des accusations dans ce dans ce dossier-là, parce que ça envoie un signal justement très fort, comme quoi il y en a pas d'impunité, puis on, on... On fait face à des, à des sanctions qui sont importantes parce que c'est un article dans le Code criminel et que ça s'applique à tout le monde, même les gens derrière, par exemple, un avatar sur les réseaux sociaux. Exact. C'est rajouter l'insulte à l'injure, finalement, pour une victime d'agression sexuelle. Oui, carrément. Puis ça peut même être un, un second traumatisme, là, si mmh. on veut. Moi, je l'ai dit notamment dans le documentaire auquel j'ai participé l'an dernier puis qui est encore disponible sur la plateforme Vrai. Pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'agression, évidemment, comme telle, mais il y a également le fait qu'on n'est pas respecté ce droit qui pourtant okay. m'avait été euh, m'avait été littéralement garanti, puis qui est vraiment dûment prévu euh, au code euh, au code criminel, euh, pour moi ça a été extrêmement difficile euh, à, à traverser à ce moment-là, parce que alors que je voulais protéger mon identité, mais finalement ça s'est pas du tout passé de la façon euh, dont, dont les choses devaient se, se dérouler, puis finalement très rapidement tout le monde ou en tout cas tout le monde qui souhaitait le savoir a su. Mm -hmm. qui était la personne victime dans ce, dans ce dossier-là. C'est pour ça que, par la suite, après plusieurs mois, même plusieurs années, parce que le processus a été très long, j'ai décidé, tant qu'à ce que mon identité ait été révélée, contre ma volonté d'utiliser ma tribune pour justement sensibiliser, exact. notamment sur l'importance des ordonnances de non-publication, pour que plus jamais une personne ait à traverser ce que j'ai dû traverser lors de l'arrestation de mon agresseur en décembre 2020. C'est pas banal, un geste comme celui-là, il faut le reconnaître. Récemment, Bien, ça fait un an que votre agresseur... L'agresseur a été condamné euh, ces jours-ci. Euh, il y a quelques semaines, ça faisait un an que vous vous présentiez à la barre. Je vous cite dans votre publication, je, vais, euh, je devais m'adresser non seulement à un juge, mais à 14 personnes inconnues assises devant moi, des pans éminemment intimes de mon histoire. Vous avez vu, voulu montrer aux victimes d'agression sexuelle que vous comprenez ce à travers quoi elles passent. Vous savez à quel point il faut du courage et c'est difficile de faire ça, même si c'est salvateur. Tout à fait, puis euh, en même temps, moi, je me considère extrêmement privilégiée dans le sens où, euh, au quotidien, j'ai à m'exprimer publiquement. Je prends la parole sur différentes tribunes, mmh. pas sur des sujets qui sont très personnels. C'était différent, mais même pour moi, justement, ça a été, ça a été difficile, ça a été éprouvant. Donc, euh, d'avoir à s'adresser non seulement à, à un juge, comme dans la plupart des causes, mais parfois même devant un jury, ça a été, ça a été mon cas. Euh, C'est une épreuve que, que je <laughs> que j'espère qu'on puisse se, se, se passer, là, comme évidemment euh, vivre des événements comme, comme ça. Mais c'est pour ça que je tenais à envoyer vraiment toute ma force puis ma solidarité euh, aux personnes qui seraient en train de, de passer à travers un processus comme celui-là. Parce que vous le disiez, même, même si vous êtes habitué de parler en public, ce n'est pas la même chose. Vous trembliez. Vous, vous, physiquement, vous aviez une réaction. Là. Ah, tout à fait. Là, je, me, je me souviens juste avant de, de passer euh, justement dans, dans la salle de cours. Là, je faisais les, les 400 pas dans la salle. Heureusement, on est quand même bien accompagnés. Puis je tiens à le c'est un message sur lequel j'ai voulu insister ces derniers mois. J'avais toujours une intervenante avec moi euh, du CAVAC, justement, la même intervenante d'ailleurs qui me suivait là, depuis les, les débuts du processus judiciaire, là, dès le moment où j'ai porté plainte. Ça se passe très vite. Là, en quelques jours, on reçoit un appel là, du CAVAC, il y a quelqu'un qui nous est, euh, qui nous est disons, euh, désigné. Puis maintenant, grâce aux nouvelles ressources qui ont été ajoutées depuis le mouvement, moi aussi en 2017, c'est vraiment cette même personne-là qui nous accompagne tout au long, qui peut nous accompagner à la cour aussi. Donc, au moins, j'avais cette ressource-là. Mais oui, ouais. clairement, que n'était pas une situation qui était, qui était confortable. On s'en doute. Heureusement qu'on est bien entouré dans une situation comme celle-là. Dites-moi, en terminant, en, en avril dernier, vous avez fait lever euh, l'ordonnance de ne pas vous identifier. On a vu votre visage au ouais, grand jour. C'était mon choix. Euh, votre choix, exactement. Avez-vous l'impression que vous êtes devenu, je le disais tout à l'heure, un symbole pour les victimes d'agression sexuelle? Vous êtes un peu comme Nathalie Simard, quelqu'un dont on peut s'inspirer pour dire hey, ⁇ Eh, elle l'a elle fait à visage découvert, moi je suis capable de le faire. ⁇ Est-ce que vous sentez ?⁇ ben, Moi, je me... si j'ai pris la parole, c'est justement pour aider d'autres hmm. personnes victimes d'agression sexuelle, montrer que ça peut vraiment arriver à, à n'importe qui. Je trouve que justement... Le fait que j'ai une voix, une tribune pour pouvoir en parler, pour pouvoir déstigmatiser aussi euh, cet enjeu-là, puis pouvoir un peu expliquer euh, mon cheminement. Je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans, dans le cheminement mmh. que j'ai eu. Puis c'est tant mieux. Puis justement, j'ai eu une vague de, de solidarité, de témoignages aussi à la suite de ma prise de, de parole. Est-ce pis... que c'est lourd à recevoir, ça, ces témoignages-là? Vous n'êtes pas une thérapeute quand même? C'est sûr. Puis j'essaie toujours de référer les gens aux bonnes ressources. Puis je me dis... Je, je, je l'aurais dit aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide, des ressources. Il y en a de plus en plus dans notre système, puis c'est tant mieux. Puis il faut souligner les, les avancées. Mais je suis toujours très touchée, évidemment, quand les gens euh, m'interpellent ou me signale que, justement, ça leur a donné confiance pour porter plainte, tant mieux. En même temps, tous les parcours sont valides puis il y en a qui vont décider de ne pas nécessairement exact. aller porter plainte, puis c'est bien correct. C'est d'une autre façon qu'on va trouver son sentiment de justice. L'important, c'est de se guérir soi-même. Exact. Puis donc, c'est vraiment le message que je tiens, encore une fois, à lancer. Ne pas porter ce fardeau-là tout seul exact. sur ses épaules, en parler, se libérer du secret, quelle que soit la façon. Mais je pense, Catherine Fournier, vous, euh, vous, vous vous encouragez bien des gens et vous, euh, probablement, donnez courage à bien des gens de sortir de si là. J'ai aidé une personne, pour moi, c'est déjà... c'est déjà. Je suis certain que c'est déjà... Chose fait. Catherine Fournier, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.